Je vous retrouve en direct de Jeju. Je suis trop contente. On a fait la surprise pour mon amie Julie et donc on est parties toutes les deux. On vient juste de récupérer la voiture et là on va s'arrêter pour manger parce qu'il est déjà presque une heure. On est en plein milieu de rien. Il y a quelques résidences, quelques maisons et tout. C'est trop mignon. Bref, j'ai trop hâte. C'est parti. Et on va manger ici dans cette petite maison. C'est trop cute. Alors là, on vient juste d'arriver sur un petit parking, je suis juste derrière la voiture et on va dans un petit village, si je puis dire, qui s'appelle Ewol et c'est sur la côte est. Aujourd'hui, on est plutôt du côté est. On va faire un petit tour, il y a des cafés, il y a une balade le long de la côte et tout, c'est hyper sympa apparemment. Donc voilà, on fait juste un petit tour, après on s'achètera probablement un peu un jus de fruits et ensuite on repart un peu plus bas pour aller visiter une grotte, la plage, tout ça. Bref, je vais vous montrer. Not too attached when you play your hand, but can you understand that the games we play are so unfair? The grass was looking greener way back in the past, on the other side of Centennial Glass. It was always said, don't look ahead, but I can't help but feel misled. You carry along now, trying to forget trop du bien. On a pris du jus de harabon, c'est comme un agrume qui ressemble à une orange, une clémentine, et c'est un fruit spécial de Jeju. Et regardez la forme de la bouteille. Elle est trop cute. C'est totalement différent. Oh,
Oh, j'adore. Mais c'est bon, ah, c'est trop bon. Je vais faire la même tête que lui. Je voulais même pas montrer, mais c'est la voiture qu'on a pris pour les 4 jours. On a loué ça par un site, je vais vous mettre le lien juste en bas. Ça s'appelle Clouk et c'est vraiment pour pas cher du tout, donc je peux vous le recommander. Là, on vient d'arriver un tout petit peu plus bas. On va d'abord aller au Halim Park. Apparemment, il y a une grotte à l'intérieur, donc on va essayer d'aller visiter ça. Et juste après, on va aller sur la plage de Hyopje, qui est juste en face, pour aller voir le coucher de soleil. Bon, on est rentré dans le parc. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi cher. On n'avait pas regardé. C'était 12 000 won l'entrée, c'est ça? Et en fait, le parc est gigantesque. Il y a plein de trucs à voir, donc je pense que c'est mieux d'arriver un peu plus tôt. Parce que nous là il nous reste juste une heure, donc on va aller voir la grotte et ensuite on va passer dans les allées qui nous intéressent. Mais c'est trop mignon. Par contre c'est Julie qui a pris la carte, donc on va potentiellement se perdre. Je sais pas si on va arriver à destination. La connasse. J'allais dire la connasse mais j'attendais du coup. On the right. Tu répètes ou pas? Je veux pas de traces de l'écho. Elle a dit qu'on allait voir Dracula. Je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra, mais nous sommes actuellement dans une grotte de lave. Voilà, c'est tout. On est que toutes les deux là, on est en train de traverser les 3 grottes du parc et il n'y a absolument personne. Oh, même pile au moment où j'allumais la caméra, tu m'as fait trop peur. Moi je partais en recherche archéologique. Wow. Il va l'attaquer. On arrive dans la partie du parc où il y a un petit village traditionnel. Normalement on est censé en faire un demain, mais ça a l'air super sympa. Il a l'air d'être bien aménagé en plus. Puis avec les couleurs du soleil là, c'est trop joli. It's enough to make you lose your sense. Enough to make you lose your mind. There's magic in the way he moves. Always steady, everywhere. On est parti en courant du parc pour aller voir le coucher de soleil. Et on n'a pas raté, du coup on est trop contente. On va sur la plage de Hyopje. Voilà, ils ont installé un truc, je pense qu'ils font des travaux en ce moment. Mais on va aller juste de l'autre côté et ça a l'air super sympa. Bon, par contre c'est de la roche de lave. Donc c'est un petit peu dangereux, faut faire gaffe. Thank you.
vient d'arriver à la chambre d'hôtel qui est dans la ville de Seogwipo au sud de Jeju. C'est pas trop mal là, on est au 10e étage, je vais vous montrer un petit peu la vue, mais je pense qu'on y verra mieux demain quand il fera clair. Je vais vous faire un petit tour vite fait. Donc là on est dans l'entrée, on a retiré les chaussures, juste là il y a quelques chaussons, j'ai accroché le manteau. Et directement on arrive sur l'espace salle de bain. Donc c'est assez spacieux finalement, ça va, il y a les shampoings, les serviettes, tout, c'est pas mal. Et ensuite on arrive dans la chambre, on a posé quelques affaires. Avec la télé, on a pris deux lits séparés et ils sont assez grands. Franchement, je pense qu'il est plus grand que le mien. Donc j'espère que c'est confortable. Mais je pense qu'on va bien dormir. De toute façon, on est fatigué. Et donc là, on a quelques petits trucs pour le petit-déj avec du café. Oh, French café. Ça, c'est les masques pour ce soir. Et ensuite, on a la vue ici, mais je pense qu'on va rien y voir de nuit. Vous voyez plus mon reflet qu'autre chose. Donc rendez-vous demain matin pour voir ce que ça donne en plein jour. Mmh.